deux tiers Sénat, chambre députée avec collectivité territoriale. Et ça qui concerne échéancier, qui, dans qui temps ça doit faire, eh bien, l'Assemblée a été d'accord pour ces organismes électoraux-là qui travaillent sous dossier ça. Pendant qu'il a tenu compte de l'amendement constitution, il doit être fait dans le temps que la loi fixée pour ça. Deuxième point, c'est le processus électoral. Sous ça, il y a des processus électoraux là. L'exécutif n'a pas tenu aucune objection sous consensus que les partis politiques ont rejoint. C'est réduction sans vote. Entrée au fur et à mesure, une électronique, réalisation élection avec participation bénévole, tout le monde qui a l'âge majorité. Reconnaître l'État comme seule institution qui peut entrer en dialogue avec la communauté internationale là sous question élection. Et ça concerne les mises en œuvre sous dossier ça, processus électoral là, c'est toujours l'organisme électoral là qui est capable de travailler sous suivi. Troisième moyen, c'est loi électorale. Exécutif là, tu accepté consensus qui était trouvé entre partis politiques pour amender la loi électorale. Il y a une commission qui est formée pour assurer suivi sous question de loi électorale. Il y a là-dedans 4 membres qui sont sortis dans le parti politique. Il y a un membre qui est sorti dans le Parlement. Il y a un membre qui sorti dans l'observateur avec un membre qui sorti dans l'exécutif. Dernier point, c'était le cadre institutionnel. Dans le cadre institutionnel, entre l'exécutif avec le parti politique et l'autre membre qui était là dans l'Assemblée, je suis tombé d'accord sur le bagage. CTCEPA a tourné conseil électoral provisoire. Chaque pouvoir qui voyait délégué au conseil électoral provisoire, ça, nous connaissons que chaque pouvoir, ça, c'est exécutif là, c'est CSPJ, c'est Parlement. Il y a aucune possibilité pour être capable de changer plus là dans un seulement. Dans un délai 10 jours. Et dans le même délai 10 jours, ça, pouvoir législatif là, a gagné pour être capable de changer la loi électorale. Là. Et dans le même délai, ça, tout, il y a une décision pour être capable de chercher, résoudre une série de problèmes qui gagnent entre Parlement avec l'exécutif. Déjà, depuis demain matin, il y a une rencontre qui a faite entre le Parlement avec l'exécutif là pour commencer à résoudre le problème. Ça. Mais sous question garantie, commission de garantie pour les affaires élection, eh bien, nous sommes assemblés, dans l'assemblée, il n'y a pas d'accord sur le point ça, il est retiré. Mais, nous sommes déplorés dans la fin de journée ça, nous-mêmes médiatrices là, nous déplorons dans la fin de journée ça, que il y ait quelques partis politiques qui retirent le corps dans le processus. Partis politiques, ça c'est Vision, Contre le peuple, Famille Lavalas. Et Famille Lavalas a retiré le corps depuis le matin. Il faut nous faire comprendre tout que la signature pour l'accord qui va sortir dans le dialogue, c'est une signature que
ça qui va participer là dans l'eau a fait a pris des faits. Ça qui sorti là dans l'eau, parti qui sorti là dans l'eau, c'est sûr que il est capable de passer. Mais il y a notre parti dans le respect qui accepte si bien, mais avec réserve qu'il fait sous quel point que les outils pas trop tombé d'accord avec. En fait, nous sommes capables de dire que c'est une réussite qui est liée. Parce que dans l'Assemblée, nous avons parlé sous le consensus qui était sorti dans le parti politique avec l'exécutif. Et c'est sous le consensus ça yo, que nous avons fait le dialogue. Là. Et c'est sous le tout que nous arrivons à tomber d'accord avec ça que nous sortons là. Nous connaissons que dans tout dialogue, Léovine la donne, ou pas toujours sorti à toutes sortes à souhaiter sortir. Ou sorti à partir de discussions qui fait yo avec un temps qui gagne entre le monde qui a participé dans le dialogue. Et c'est ça qui arrive pour le dialogue, ça, qui c'est un dialogue politique, un dialogue institutionnel. Un dialogue qui nous voulons qui pose base pour un dialogue national. Dans le dialogue, ça, nous avons constaté que pendant la défense de l'intérêt du pays, mais nous prenons tout et intérêt chaque parti, ou du moins chaque parti politique, chaque parti qui est dans l'Assemblée, qui des fois ont envie de prendre sous l'intérêt du pays. Mais nous croyons que c'est une bonne leçon qui est liée, parce que c'est un exercice qu'on a fait pour la première fois. Une leçon qui montre que nous-mêmes, Haïtiens, nous cachitons ensemble pour nos dialogues. Il montre que nous avons en pile capacité, en pile pour bagarre dans nous-mêmes, pour nous arrêter pendant toute une journée. Et je dis à l'année qu'il est fini, les 8h30, et hier nous avons fini plus tard. Il montre que nous voulons travailler pour le pays. Nous voulons travailler pour l'intérêt du peuple. Mais puisque c'est un exercice qui est lié, c'est fait l'appel, nous disons tout, nous disons c'est la première fois qu'il appelle. Ça veut dire que nous avons pour nous apprendre, nous avons pour nous grandir là-dedans. Plus nous faisons, plus nous connaissons qui j'en pour faire jusqu'à ce qu'il tourne dans une culture de dialogue et qui vous fait nous tirer bon bagaille là-dedans. Et ça fait nous faire assis ça yo qui a permis de nous gagner un autre jour pour nous capables de signer encore. Et enfin, assis ça, son beau remerciement nous adressé par tout acteur exécutif, là, parti politique, parlement, avec observateur, tout acteur, SEMNA, qui c'est le Conseil épiscopal médiation, avec tout l'autre membre qui travaille pour ça, tant qu'accueil, secrétariat, et nous-mêmes, comme la presse, qui vit chaque jour et qui était bien tard pour nous capables de prendre tout résumé qui n'a pas été dans la journée et toute information qui concerne et travail ça que nous avons fait ici. Il fait que grâce à la presse, nous pas été seulement dans la salle, mais tout haïtien qui tout côté vivait capable ouais attendez, mais en même temps tout tout le monde qui dans notre nation communauté internationale là qui nous a regardé ça n'a fait ça n'a dit. Alors nous remercions la presse pour qu'on tient le travail ça que nous fait. Nous souhaitons que le résultat du travail ça, qui côté bon j'en fouille dans le jour qu'à venir, particulièrement pour année ça, qui est une année que nous souhaitons que l'élection faite, mais pour le côté fouille tout, pour toute l'autre année qu'à venir, parce que le résultat année ça, c'est pour préparer l'autre jour qu'à venir. Que tout le monde
non seulement monde qui n'a pas de politique, mais tout haïtien comprend l'importance qui gagne dans chercher respecter les décisions qui sortent dans le dialogue. Ça. Parce que tout ça qu'on a discuté là, ce n'est pas pour intérêt vrai monde en dedans et dialogue ça, mais c'est pour intérêt tout le peuple haïtien. Alors, c'est avec qualité parole ça, nous disons tout. Merci. Je veux dire, il faut qu'il y ait une autre équipe gouvernementale qui ait des gens là-dedans, des gens qui ont fait confiance, qui ait des gens qui éprouvent déjà, que gens connaissent, qui ont fait confiance pour sortir le pays dans sa lié là. Dans qui ça nous y est? Nous croyons que le pays aujourd'hui il y a une situation de crise aiguë, tant économique que sociale, politique. Donc, ça qui fait ça, nous arriver là-dedans, n'a pas qu'à permettre que nous joignions aucune réponse à eux. Deuxième bagaille. C'est par rapport à l'élection. Si moi dis que j'ai besoin de créer un climat d'apaisement pour mal dans l'élection, pour une élection crédible, honnête et démocratique. Je dis un jour où elle est là sous côté, moi j'ai un secrétaire général là qui là avec plusieurs secrétaires national partisans qui tapent tant de moments ça. Victor Benoît, nous t'es mobilisé parce que depuis combien d'années, il a fait promotion et accord politique là. Malheureusement, nous vivons en phase côté que nous pas capables de faire signature à accord là parce que nous président république là seule concession le café chaque pouvoir pas qu'a gain autorité pour changer plus que yon grain monde dans CEPA yon deuxièmement yo changer non c'était CEPA en CEP point donc CEPA yo pas mettre provisoire derrière c'est CEP point donc fusion pas qu'a embarquer dans dynamique ça parce que nous connaissons ça oui nous quitter table nous pas signer nous pas signer accord que vous pourrez joindre entre les partis politiques. Parce que normalement, pas doit avoir un accord. Parce que il était clairement dit que si vous avez un parti qui n'a pas adhéré, puisque parti PARTIE, c'est parti politique que vous avez constitué. Et depuis avant hier, vous avez gagné en division en deux groupes. Parce que nous avons déjà dit que nous ne pouvons pas parler d'une seule voix. Il y a les partis de l'opposition, vraie opposition, et partis et pro-gouvernementaux. Donc sous base ça, nous-mêmes dans Fusion Social-Démocrate, nous restons toute matinée, mais nous n'avons pas capable d'arriver à l'accord. Assise la fête et tous les partis pro-gouvernementaux vont y après signer un accord avec les députés. Donc si nous ne devons pas politique, mes amis, si toi, ma fille, pour la bagaille, vous ne rappelez pas. Moi, je suis très content, je la passe bien. Et même toi, je suis toujours bien, je ne pas signer, mais nous ne comprenons pas ça. Moi, je ne parle pas. De temps en temps, il y a un bon bail qui a fait. Et il y a un ou deux points pas d'accord. Je dis à base, je vais d'accord. Il y a un point pour le gouvernement d'ouverture, là, par exemple. Il y a un parti qui tourne pas dans le gouvernement d'ouverture. Et c'est tout à fait normal. Et même genre CEP, CTCEP, il y a un monde qui pas d'accord. Donc, c'est beau de la démocratie. Hein. Tout le monde n'est jamais d'accord sur tous les points. Mais, dialogue final, tout le monde est d'accord. Même le sénateur gentil qui veut connaître le plat. Même. Et respect, il aurait été dans celle-là. Donc c'est une très bonne chose, il montre tolérance. Mais au monde, j'aime tout vous faire le parlement, l'on pas d'accord. L'on loi protéger, si quelqu'un a dit pas signé, réservez-vous. Et ça fait là, et c'est bon bagaille lié pour démocratie. Maintenant, qui est parti de ce système est à moitié résolu. Mais ne pas oublier au moins l'électoral. L'arrivée dans l'élection 20 septembre, octobre, même dit que l'élection, comme la fête de ce position, on dit c'est la 4e année du mandat. Chaque monde va le extrême droite, extrême gauche, centre droit, la valance, tête calée, OPL, toujours, chaque monde va choisir quand l'avenir et Haïti pour Haïti, tout le monde va choisir quand. Donc, c'est pour la démocratie. Hein. Mais au moins, nous avons mis les règles jouées en place. Nous avons tout le monde avec une grande élection. Nous tout le monde pas gagné CTC européen pour CCP. Donc, nous avons un paquet avancé qui fait là. Et 99,9% de monde là. D'accord. Donc, les règles jouées à définir pour là. Habillez qu'on doit supporter la politique en vigueur déjà. Il faut tout le monde à la disposition pour respecter la loi, ça qui est en vigueur. Et j'aime dire là d'ici octobre, l'élection va le faire là. Chaque monde va le faire campagne, chaque monde va le mettre et gonfler pour être fait. Peuple la photo. Et en janvier, nous espérons que c'est le monde qui gagne l'élection tout bon, qui a vite prêté comme magistrat, député, sénateur, etc.